Laudetur Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue en direct aujourd'hui, Hélène Destombes, en votre compagnie pour le commentaire de l'Angélus, commentaire de l'Angélus de ce dimanche 24 mars, troisième dimanche de Carême. Dans quelques instants, le pape François apparaîtra à la fenêtre des palais apostoliques. Bonjour à vous qui nous suivez grâce à nos partenaires EWTN France, Radio Espérance, que je salue, et à vous qui nous suivez peut-être sous la pluie ou sous la grisaille. Nous vous envoyons quelques rayons de soleil. La journée est en effet magnifique à Rome. Et la place Saint-Pierre est baignée par ce soleil en ces premiers jours de printemps. Les touristes, les Romains ont d'ailleurs envahi les rues avoisinantes au Vatican. D'autant que cette journée à Rome est une journée où la circulation des voitures a été limitée. Et l'on peut voir de nombreux Romains en famille, entre amis, qui profitent de cette très belle journée pour se promener à pied, en bicyclette. De nombreux fidèles sont rassemblés place Saint-Pierre, des pèlerins, mais également quelques touristes. Tous attendent le pape François, qui dans quelques instants va apparaître, et comme chaque dimanche, il récitera la prière de l'Angélus, et puis ensuite il s'adressera aux fidèles présents place Saint-Pierre. On peut distinguer, si vous nous suivez en images, vous pouvez distinguer de nombreux groupes, et notamment de nombreux scouts qui sont présents ce dimanche à Rome. Des groupes venus de différentes régions d'Italie, également de différents pays. Le pape François apparaît à la fenêtre. Il est en train de saluer la foule sous les applaudissements. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce troisième dimanche de Carême nous parle de la miséricorde de Dieu et de notre conversion. Jésus relate la parabole du figuier stérile. Un homme avait planté un figuier dans sa propre vigne et avec une grande confiance, chaque été, il venait chercher ses fruits. Mais il n'en trouvait pas, car cet arbre était stérile. Poussé par cette déception répétée pendant trois bonnes années, il songe alors à couper le figuier pour en planter un autre. Il appelle alors le vigneron qui se trouve dans le vignoble et lui fait part de son mécontentement en lui ordonnant de couper l'arbre afin que celui-ci n'épuise plus le sol inutilement. Mais le vigneron demande au maître de faire preuve de patience et de le laisser encore pendant une année, au cours de laquelle lui-même veillera à réserver un soin plus attentif et plus délicat au figuier afin de stimuler sa productivité. C'est la parabole. Et que représente cette parabole ? Que représentent ces personnages, les personnages de cette parabole ? Le maître représente Dieu le Père et le vigneron est l'image de Jésus, alors que le figuier est le symbole de l'humanité indifférente et aride. Jésus intercède auprès du Père en faveur de l'humanité
et lui demande d'attendre et de lui concéder un peu plus de temps afin que les fruits de l'amour et de la justice puissent y germer. Le figuier que le maître de la parabole veut éliminer représente une existence stérile, incapable de donner, de faire le bien. Il est le symbole de celui qui vit pour lui-même, repu et tranquille, installé dans son propre confort, incapable de tourner le regard et le cœur vers ceux qui sont proches de lui et qui se trouvent dans une condition de souffrance, de pauvreté et de malaise. À cette attitude d'égoïsme et de stérilité spirituelle s'oppose le grand amour du vigneron envers le figuier. Il demande au maître d'attendre. Il est patient, il sait attendre, il lui consacre son temps et son travail. Il promet au maître de prendre particulièrement soin de ce malheureux arbre. Cette similitude du vigneron manifeste la miséricorde de Dieu qui nous laisse un temps pour la conversion. Nous avons tous besoin de nous convertir, de faire un pas en avant. Et la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu nous accompagne. Malgré la stérilité qui marque parfois notre existence, Dieu est patient et nous offre la possibilité de changer et de progresser sur la voie du bien. Mais ce temps imploré et concédé, dans l'attente que l'arbre enfin porte du fruit, indique également l'urgence de la conversion. Le vigneron dit au maître, laisse-le encore cette année. La possibilité de conversion n'est pas illimitée. Aussi faut-il la saisir immédiatement, sinon elle pourrait être perdue pour toujours. Nous pouvons vraiment compter sur la miséricorde de Dieu. Nous pouvons faire beaucoup pour nous rapprocher du Seigneur, nous convertir. Il ne faut pas dire « Non, non, j'attendrai le prochain carême ». Nous devons penser, chacun de nous doit penser « Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ». Davanti a questa misericordia di Dio che mi aspetta. Et que sempre perdona. Devant cette miséricorde de Dieu qui attend et qui toujours pardonne, nous devons vraiment compter sur la miséricorde de Dieu, mais sans en abuser. Nous ne devons pas justifier la paresse spirituelle, mais accroître notre engagement à refléter rapidement cette miséricorde avec la sincérité du cœur. Dans le temps de carême, le Seigneur nous invite à la conversion. Chacun de nous doit se sentir interpellé par cet appel, en modifiant quelque chose dans sa propre vie, dans sa propre façon de penser, d'agir et de vivre les relations avec le prochain. Dans le même temps, nous devons imiter la patience de Dieu, qui a confiance en la capacité de tous à pouvoir se relever et reprendre le chemin. Dieu est Père. Il n'éteint pas la faible flamme, mais accompagne et prend soin de ceux qui sont faibles, afin qu'ils soient renforcés et apportent leur contribution d'amour à la communauté. Que la Vierge Marie nous aide à vivre ces jours de préparation à Pâques comme un temps de renouvellement spirituel et d'ouverture confiante à la grâce de Dieu et à sa miséricorde. Angelus Domini, nunc abit Mariae. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut dimi efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesum, o Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Après la prière de l'Angélus, le pape François va maintenant s'adresser aux fidèles. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, depuis le 27 février, d'importants pourparlers sont en cours au Nicaragua en vue de résoudre la grave crise sociopolitique que traverse le pays. J'accompagne par la prière cette initiative et encourage les partis à trouver au plus vite une solution pacifique pour le bien de tous. Hier à Tarragone, en Espagne, a eu lieu la béatification de Mariano Mulerat y Soldevilla, père de famille et médecin, jeune, qui s'est occupé des souffrances physiques et morales des frères, témoignant à travers sa vie et son martyr de l'importance de la charité et du pardon. Un exemple pour nous. Qu'il intercède pour nous et nous aide à parcourir les voies de l'amour et de la fraternité malgré les difficultés et les tribulations. Et le pape demande d'applaudir Mariano Mulerat y Soldevilla, béatifié hier. Aujourd'hui, nous célébrons la journée à la mémoire des missionnaires martyrs. En 2018, dans le monde entier, de nombreux évêques, prêtres, religieuses et fidèles laïcs ont été victimes de violences. Et 40 missionnaires ont été tués. C'est presque le double par rapport à l'année précédente. Faire mémoire de ce calvaire contemporain des frères et sœurs persécutés ou tués en raison de leur foi en Jésus-Christ est un devoir de gratitude pour toute l'Église. Mais c'est aussi un stimulant pour témoigner avec courage de notre foi et de notre espérance en celui qui, sur la croix, a vaincu pour toujours la haine et la violence avec son amour. Prions pour toutes les victimes des attentats qui ont eu lieu au Nigeria et au Mali. Que le Seigneur accueille ces victimes. Console les familiares et converta
Le Seigneur console les familles et convertisse les cœurs cruels. Le pape invite à la prière. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi. Je vous salue tous, vous qui êtes venus de Rome, d'Italie et de différents pays, en particulier les pèlerins de Pola en Croatie, de Coslada en Espagne, ainsi que la communauté du séminaire pontifical français. Je salue les fidèles de Dogana, Carpi, Faenza, Castellammare di Stabia. Le groupe de femmes unies pour affronter ensemble leur pathologie particulière. Les scouts de Campobasso. Les jeunes qui ont reçu la confirmation de Cervarese, Santa Croce. Et ceux de la première communion de Renate, Veduggio et Rastignano. Les élèves des instituts des frères des écoles chrétiennes de Turin et de Vercelli, et ceux de l'école de Sainte Dorothea de Montecchio Emilia. Demain, fête de l'Annonciation, je vais à Lorette, en la demeure de la Vierge Marie. Pour signer l'exhortation apostolique qui fait suite au synode des jeunes qui s'est tenu au mois d'octobre. Le pape demande de prier pour cet événement, pour sa venue à Lorette demain et la signature de cette exhortation apostolique. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Et le pape est en train de saluer la foule. Une foule nombreuse ce dimanche, place Saint-Pierre. Vous l'avez entendu, le pape a lancé plusieurs appels, un appel en faveur des pourparlers qui sont actuellement en cours au Nicaragua, un appel à la prière suite aux attentats qui ont lieu au Nigeria et au Mali, et puis il a également évoqué la béatification hier de Mariano Mulerat y Soldevilla. C'est ainsi que s'achève ce commentaire. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Je vous invite à nous retrouver sur nos ondes, également sur notre site internet www.vaticannews.va. Très beau dimanche à chacun de vous. Laudetur Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ.